Les amis, si quelqu'un n'a pas le courage ou le cœur, ne regarde pas cette vidéo parce que ça fait pitié. Un peu tardé. Va. Repose en paix, Cabrel Nangi. Monsieur le Président, Monsieur le Président, trop c'est trop. Arrangez la route de ce pays ici. Regardez vous-même. Regardez. Voilà une route, hein. C'est deux sens. Mais regardez ceux-là. Ils sont obligés de partir de l'autre côté. Regardez vous-même. Voilà l'endroit qu'on a construit. À coup de milliards. Le milliard au Cameroun a perdu sa valeur. Arrangez la route de notre pays, monsieur le président. Trop, c'est exagéré. Monsieur le président, faites quelque chose. Monsieur le ministre, arrangez la route du pays ici. Arrangez la route du pays ici. C'est le trop. Ici là, si tu ne sais pas, tu ne maîtrises pas la Formule 1, tu ne peux pas rouler au Cameroun. Regardez celui-ci qui est devant moi. Je suis obligé de le suivre parce qu'il connaît la route. Il connaît les trous. Ceux qui savent ce que c'est que l'autoroute ont compris pourquoi j'ai commencé en rendant un hommage à Cabrel Nangi. En 2023, on va enterrer combien de gens? Monsieur le Président de la République, arrangez les routes de notre pays. Arrangez les routes. Chaque trou sur cette route a un nom. Et il connaît le nom de tous les trous. Nous partons comme ça là de... Aïe, attention. Nous partons comme ça là de Mbanga pour Douala. Voici une route. Voici l'axe. Hein, Douala Bafoussam, dont on a les diplomates qui passent ici là, les étrangers, les Camerounais de la diaspora, tout. Sauf qu'au Cameroun, ils nous ont dit autoroute Yaoundé Douala, ils sont venus s'arrêter quelque part avant Boumiébel. C'est déjà bien, mais pour trouver l'autoroute là, vous savez qu'on peut déjà prendre cette autoroute là, mais pour la trouver à Yaoundé, c'est le problème. Rangez! Regardez l'état des routes, regardez l'état des Nancelou, regardez une route nationale dans un pays comme le Cameroun. Péage automatiquement automatique. De Mbanga, Mbanga, Mbanga. Là, c'est normal ça. Regardez vous-même. Regardez. Parce que le parcours Boumiébel Yaoundé tue également des gens. On vous fait saliver le bon goudron un peu comme ça. Un peu comme ça. Et du coup, boum, la réalité du Cameroun nous rattrape. Voilà, allez, doucement. Ah, aïe. Après avoir payé 500. Voilà, aïe. Après avoir payé 500. Partons comme ça là de Mbanga pour Douala. Voilà, je vous rappelle qu'on a traversé le péage automatique. Il y a presque fini, hein. Bientôt on va commencer à prendre l'argent. En ce temps, c'est le rallye. En route, c'est le rallye, les gars. Regardez le national. Monsieur le Président, c'est exagéré. C'est exagéré, il n'y a même pas de secours. Il n'y a rien. Il n'y a pas de route. Douala Mbanga, pour ta suivi, pour ta sécurité, tu es obligé de rouler à 40 à l'heure, 30 à l'heure, c'est-à-dire 60 km. Voilà, ça te prend 2 heures de temps. Regardez vous-même, regardez ces voitures. Voilà. À la recherche de la bonne route, du bon côté. Regardez. Chacun est obligé de partir de l'autre côté. Hein? Regardez-vous-même. Parce qu'il n'y a pas de route, regardez les trous. L'hôpital est où? À combien de kilomètres d'ici? Monsieur le Président, arrangez nos routes! Arrangez! Le continent est spécial, est vraiment spécial. Non? Si nos routes ne sont pas comme ça, mais en quoi serons-nous différents des autres? Il faut comprendre. La différence reste la différence. Regardez, sur les éclatements, comme vous voyez là, même chose. En tout cas, finissez cette autoroute et vous allez vous rendre compte que vous allez réduire de 95% les accidents sur le corridor Yaoundé-Douala. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui peut tuer les gens sur une autoroute? À part nos vieilles voitures là. Il faudra vraiment qu'on fasse attention à la visite technique une fois que l'autoroute sera finie. Que ton âme reçoive l'aspect. Repose en paix, Cabrel Nangi. Et bon voyage à tous. Ok. Bye bye. Mesdames et messieurs, je vous présente l'équipe Shop. L'équipe type. L'équipe du studio Vision Pro. Voilà. Vous connaissez déjà où le studio Vision Pro est situé. En face de Talon Gousseau. Donc, pour tous ceux-là qui ont leurs événements, l'exemple est prochain. Mariage, baptême, anniversaire, funérailles, conférences. Tout ce que vous voulez avec drone, super caméraman, super photographe. Tout ce que vous voulez,
contactez tout simplement le studio Vision Pro. Le professionnalisme là, c'est notre affaire. Et je vous rappelle que nous avons les équipements comme ça en double. Nous sommes ici à la Mienne. Il y a une des premiers et l'autre équipe est au niveau de Hilton. Donc nous pouvons les événements, quel qu'en soit le pays même. Même s'il faut prendre l'avion, nous prendre le vol, on part ouvrir l'événement. Nous sommes là pour ça. Hein? Jason, ça va? Ah ouais, ça va. Alors on appelle Thierry. Ah, le caméraman pro, le photographe pro. On est là. Voilà. Contactez-nous simplement. Il y a les contacts que vous voyez en bas de l'écran là. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Et... très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.